À l'intérieur du carré ABCD de côté 1, il y a quatre quarts de disque, deux grands et deux petits. Chaque petit quart de disque est tangent aux deux grands et les deux grands quarts de disque sont tangents entre eux. Question, que vaut l'aire de la surface ombrée? Nous savons que le côté du carré mesure 1. Et par le théorème de Pythagore dans le triangle ABC, nous savons que la diagonale AC du carré mesure racine carrée de 2. Et par conséquent, le rayon des grands quarts de disque, c'est la moitié de racine de 2. Donc ce rayon-là, c'est racine carrée de 2 sur 2. Et par conséquent, le rayon des petits quarts de disque, c'est 1 moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, comme ceci. L'aire ombrée est formée par deux grands quarts de disque, donc un grand demi-disque, et deux petits quarts de disque, donc un petit demi-disque. Et par conséquent, l'aire demandée se calcule par l'aire du grand demi-disque plus l'aire du petit demi-disque. Dans cette somme, nous pouvons de suite mettre pi demi en évidence. Et ensuite, nous remplaçons le r par racine de 2 sur 2 et le petit r par 1 moins racine de 2 sur 2, ce qui mène de suite vers ce calcul-là. Attention, pour élever cette différence au carré, nous n'oublions pas le double produit. Et ainsi, ça nous mène de suite vers cette réponse-là, c'est-à-dire c'est le D, la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.